Jérusalem, éclatante au soleil et grouillante de vie. Cité brillante prolongée par le gigantesque temple de Salomon, formidable masse de pierre qui s'étage en paliers éblouissants. Je n'ai jamais vu autant de marchands, Alice. Curieuse idée de nous avoir donné rendez-vous dans un pareil endroit. Justement, c'est une excellente façon de passer inaperçu. Oh, regarde, Enak, là-bas! Le signe! Marchand! Serais-tu intéressé par cet objet? C'est une pièce de valeur. Je l'achèterai volontiers, mais je connais quelqu'un qui t'en offrira beaucoup plus. Vois près du lac d'Airain la grande cuve sacrée. Cet homme habillé en gris et beige. Allez jusqu'à lui. Nous avons là un objet qui pourrait vous intéresser. Merci. Suivez-moi, je vous prie. Nous nous dirigeons vers le Saint des Saints, mais je croyais que seul le grand prêtre pouvait y entrer. Assurez-vous, nous n'y pénétrerons pas, mais nous pouvons en faire le tour. Nous serons plus tranquilles pour parler. Je me nomme Hiram Kal et je suis envoyé par Orribal de Zurbakal. Orribal, ça! Si je m'attendais. Il a besoin de vous. Oh. Vous l'aviez grandement aidé à conquérir son trône. Et maintenant, il est menacé de perdre son royaume et même sa vie. Il vous attend afin de le sauver une fois de plus. Mais vous pouvez retourner à Rome, bien évidemment. Alors, que décidez-vous? Croyez-moi, je n'ai jamais laissé un ami en péril. Tu as le fier courage du Romain, Alix. Bien, mais le temps presse. Nous devons nous mettre en route dès que possible. Nous allons profiter d'une caravane allant... Oh, là-haut! Un homme en gris nous observait de l'entrée du pont. Où ça? Il a disparu, le temps de me retourner. Bah, sans doute quelqu'un qui admirait le paysage. De toute façon, demain à l'aube, nous serons en route et hors de portée. Après avoir quitté Jérusalem à l'aube, la caravane chemine tout le jour sous un soleil de plomb pour arriver enfin au bord d'un fleuve, le Jourdain. Nous passerons la nuit ici. Quel beau coucher de soleil, n'est-ce pas? Hé! Hey, voyez, une caravane sur l'autre rive. Impossible, ils vont camper là. Curieux. Oui, ce n'est pas le trajet habituel des caravanes. Là-bas, encore l'homme en gris. Là, près. Je crois que c'est le moment d'appliquer notre maintenant, stratégie. La prochaine fois, Enak, ne manifeste pas ta surprise, mais préviens-moi discrètement. Ils ont dû partir pendant la nuit. Oui, et silencieusement en plus. Très étrange. En selle, nous partons. Un défilé. C'est dangereux. Pourquoi ne pas passer plus au nord? Inutile. Je connais chaque rocher de cette contrée, et puis la route d'Alexandre le Grand est beaucoup trop longue. Eh bien, tu vois qu'il n'y a personne. Si, là! L'homme en gris, encore lui! Ma parole, on dirait qu'il nous attend. Mais non, il s'en va. Bien sûr, après avoir tout fait pour qu'on le remarque. Yaaah! Ici, c'est un endroit tranquille. Le village fait du troc avec les caravanes. Silence. Tous morts, les malheureux. C'est sûrement un traquenard. Filons d'ici. La gorge. Nous sommes coincés. Faisons demi-tour. Inutile. Regarde là-devant, une rangée de pierres prête à être basculée sur nous. Le piège est bien fermé. Les chevaux et les marchandises à l'abri, dans les maisons, vite! Et rassemblez tout ce que vous pourrez pour dresser des barricades! Mais après une bien longue nuit d'attente, aucune attaque n'a eu lieu. Et le jour se lève. Hé, hey, réveillez-vous là! L'aube va pointer et c'est le moment le plus dangereux. Mais non, y a personne. Oh, les gars! Ça vient d'en haut! Regarde, ils attaquent! À l'intérieur des maisons, vite! Non, il vaut mieux se défendre derrière ces barricades. Les voilà! Alix! Attention, Alix! Une autre, cours!
importe, pourvu que ces bandits s'en aillent. C'est bien la première fois qu'une attaque de pillard se termine de cette façon. Regarde, là-haut, l'homme en gris. C'est donc lui qui a délogé nos agresseurs, mais pourquoi ? Si je comprends bien, ils nous surveillent de très près et semblent vouloir nous protéger. Ils s'en vont. Et nous aussi, mais nous prendrons la route d'Alexandre le Grand. Tu avais raison, Alix, c'est plus sûr. Quelle misère ! Comment ces gens-là arrivent-ils à survivre ? Alix, là-bas, tu as vu ? Ces deux femmes. Vite, Enak ! Il faut l'aider ! Alix, Enak, où allez-vous ? C'est de la folie ! Sans doute veulent-ils capturer ces femmes pour les vendre. Non ! Non, c'est pas possible ! Elle est morte ! Nos moutons sont enfuis, elle voulait les rattraper. C'est notre seul moyen de vivre. Nous allons te les ramener ! Caravane, elle est partie sans nous. Où est passée la fille ? Alix, dépêche-toi ! Nous avons ramené les moutons de cette fille. Où est-elle ? Marim l'a capturée. Elle courait seule à travers le désert. Comment ça ? Mais c'est une honte ! C'est la loi. Et assez de morale comme ça, étranger. Une jeune femme comme elle vaut un bon prix sur un marché d'esclaves. Relâche-la, ou... Ou quoi ? Suffit tous les deux. Et laissez vos armes. D'accord. Si Marim prend ses moutons et libère la fille, tu ne perds rien au change. Puisque tu y tiens, prends-la donc. Après tout, ces bêtes valent bien une fille. Emmène-moi. Je ne veux plus rester ici. Il ne me reste plus rien. Au fil des jours, tandis que la caravane progresse vers le tigre, l'animosité s'installe. Marim est en train de nous observer. Oui. Les moutons sont mangés depuis longtemps, et Mara, elle, est toujours là. La plaine de Gaugamélès. Faisons halte. Pourquoi ? C'est là qu'il y a près de 3 siècles, Alexandre le Grand affronta Darius III Codoman, le roi des Perses. À la tête de sa cavalerie, il enfonça la masse des soldats adverses. Le choc fut terrible. Le soir même, il avait gagné une des plus fameuses batailles de l'histoire. Et avec seulement quelques dizaines de milliers d'hommes, Darius, en fuyant, lui a ouvert la route de Babylone. Alexandre voulait unir à jamais l'Occident à l'Orient. En son souvenir, célébrons nos dieux ici même. Non, je ne sacrifie qu'à Yahvé, mon dieu unique. Moi, à Baal, seul Zoroastre peut recevoir le feu en offrande. Alors, que chacun prie son dieu. Le feu, il s'est éteint. C'est que le ciel n'en voulait pas. Mauvaise affaire. La discorde s'installe parmi nous. Alix, regarde! Ils s'en vont. Cette fois, la rupture est définitive. Je les ai payés pour qu'ils nous accompagnent jusqu'à Babylone. Et voilà, désormais, nous n'avons plus le choix. Le voyage est trop risqué. Il vaut mieux suivre le fleuve. Ici, nous trouverons facilement une barge à louer. Entendu pour le prix. Je m'appelle Zabda. Montez à bord, les chevaux à l'avant. Oh! Par tous les dieux, ce sont des femmes et des enfants qui vont nous tirer. Allez, fruits pourris, tirez, tirez! Quelle abomination! Mais c'est naturel ici, pourquoi te scandaliser? Parce que j'ai été plusieurs fois vendu comme esclave, mais... je sais ce qu'il en coûte. Arrête, Zabda! Qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi manœuvrer à ma guise. Lâche ce fouet, tu entends? Que ces femmes se reposent. Enak, va faire descendre les chevaux, nous allons les atteler. Laisse donc ces animaux. Ils sont plus fatigués que ces femmes. T'as vu ? Allez ! Arrête, Alix, il s'étrangle ! Laisse, petite, je vais lui parler. Toi, le garçon aux cheveux couleur de paille, laisse-nous faire et remonte ses chevaux à bord. Rassure-toi, Zabda nous effleure seulement avec son fouet. Nous sommes sa seule richesse avec son vieux navire, bien sûr. Très bien. Tant que nos montures seront à bord, je vous aiderai à aller cette embarcation.
Au fait, Mara, pourquoi avoir abandonné ta mère au vautour du désert? Cette vieille n'était pas ma mère, je l'aidais. En échange, elle me nourrissait et m'apprenait la magie. La magie? Mais pourquoi faire la magie? Pour une fille comme moi, cela peut être très précieux. Regarde ce feu. Je peux l'éteindre si je le désire. Oh. Et celui des femmes esclaves là-bas. Vois ce que j'en fais. Comme tes yeux deviennent étranges, Mara. Le vent du sacrifice était dans toi? En tout cas, voici des talents qui pourront certainement nous rendre service. Oui, car la tâche qui vous attend est loin d'être accomplie. Écoute, Alix, autrefois tu as aidé Orybal à reprendre son trône des mains d'Arpacès. Au début, tout se passait bien, mais Orybal, grand admirateur d'Alexandre le Grand, voulut imposer les coutumes grecques à son peuple. Bientôt, suprême offense, il fit construire sur la colline de Mochar un temple à la gloire d'Apollon. Peu après son inauguration, il brûla mystérieusement. Les prêtres invoquèrent une vengeance des dieux. Orybal s'enferma alors avec sa garde et ses généraux dans un luxe inouï. De nouveaux impôts furent levés. Un soir, après qu'un percepteur ait fait vendre comme esclave les enfants d'une veuve qui ne pouvait payer, une révolte partie des bas-quartiers monta à l'assaut du palais. L'armée d'Orybal balaya cet élan et la répression fut sanglante. La révolte gronde toujours à Surpacal, et Orybal a besoin de votre aide pour quitter son pays. Demain, nous quitterons le Tigre pour rejoindre l'Euphrate et ensuite Babylone. J'espère que nous irons à Surpacal.
de le sauver. Ton prestige est intact, Azur Bakal. Il parviendra sans peine. Orihbal reste malgré tout mon ami. Cela demande réflexion. Je te ferai savoir ma décision demain soir. Sache que Babylone est la limite au trajet que nous te laisserons accomplir. Au-delà, je n'hésiterai pas. Regarde là-bas. Hiram Kal et Mara. Nous avons été attaqués. Heureusement, Mara les a endormis grâce à ses pouvoirs. Bien sûr. Androclès voulait sans doute te faire enlever Mara pour faire pression sur moi. Les jardins suspendus. Ils sont en aussi mauvais état que la tour de Babel. Logique, il n'y a plus de satrape assez puissant pour les entretenir. Alice, je viens de croiser la caravane de Sadrune. Tu l'as laissé partir ? Oui, car j'ai encore rendez-vous ce soir même avec Androclès. Dis-moi, tu ne m'avais pas dit qu'Orihbal avait fait pendre par les pieds tant de malheureux ? Il n'est pas le seul coupable. Il est entouré de prêtres fanatiques, prisonniers de sa propre armée. C'est pour ça qu'il faut le sauver. Regarde. Cette fois, un flambeau a été déposé près de l'entrée. Il monte. Personne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Là, un paquet. Ils ont trouvé le paquet. Espérons que cela suffira à les arrêter. Quelle horreur! La tête d'Orihbal! Oh, quoi qu'il ait pu faire, cette vengeance est odieuse. Ah, il faut donner une sépulture décente à cette dépouille. Oui, et il faut retrouver Androclès. Ce crime ne doit pas rester impuni. Viens, Enak. Et voilà. Alix tient quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Approche ton flambeau, Enak. Non! Non, c'est impossible! Quelle abomination! Ainsi, les rebelles ont pris le pouvoir à Azur Bakal. Et ce chien d'Androclès doit être loin maintenant. Non, il est là, tout près, je le vois. Il ricane là-bas près du feu. Laisse, il faut qu'elle parle. L'homme en gris, il va se mettre en route, cette nuit, vers l'autre tour de Babel. Plus loin, vers le sud, elle est en ruine. Ils vont dormir là, ils rient parce qu'Alix n'ira plus à Azur Bakal. Cette direction, je le sens. Je ne vois aucune trace. Derrière cette colline, les ruines sont là, et Androclès aussi. L'ombre file à toute allure. Autant repartir. Allez préparer les chevaux. Oh, encore un serpent! Que se passe-t-il? Alix? Comment? Mara a endormi ses hommes et ses chevaux. Approche, Androclès. J'ai quelque chose à te rendre. Qu'est-ce que tu veux, Alix? Le tyran est mort à présent. Tu vas ensevelir cette tête au sommet de cette ziggoura. Elle vaut bien ce dernier hommage. Fais-le toi-même. C'était ton ami. Lâche ton arme, ou Mara utilisera ses pouvoirs contre toi. Orihbal appréciera que ce soit son bourreau qui enterre sa tête. Tu creuseras avec tes propres mains. Grimpe. Arrête-toi ici et creuse. Cela devrait suffire pour qu'Orihbal repose en paix. Alix! Lâche ce bloc et reprends ton travail. Alix! Je ne le vois plus. Mara! 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 Voilà, comme cela, es-tu satisfait? Alix! Alix, Mara a été mordue par un aspic! Comment va-t-elle? Mara, courage, Mara! Elle est morte! Les lâches! Il s'enfuit. Mara, je voulais t'épouser et maintenant c'est fini. Je vais t'emmener à Babylone et je te ferai dresser un mausolée. Pauvre Hiram et pauvre Mara. Elle est morte en voulant te sauver. Crois que votre voyage se termine ici. Oui,
Nous n'irons plus jamais à Zurbakal, plus jamais. Alors ne nous quittons pas ainsi, serre-moi la main. Non, c'est impossible. Tu as assassiné mon ami. Tu es le digne frère d'Arbacès. Je ne regrette rien. Orybal était un tyran. Qui te dit qu'un autre despote encore plus sanguinaire ne va pas prendre sa place? Peut-être bien, mais peut-être que je le tuerai avant. La grande faute d'Orybal est d'avoir voulu imposer une culture et une religion à un peuple qui n'en voulait pas. Adieu donc. Attends. Je ne peux pas te serrer la main, mais sache que j'ai de l'estime pour toi. Moi aussi, j'ai de l'estime pour toi, sans quoi je t'aurais déjà tué. Et maintenant? Il n'y a plus qu'à suivre le fleuve jusqu'à l'embouchure. Là, nous trouverons bien un navire pour rentrer jusqu'à Rome.